Kenji Girac dévasté, il révèle en pleurs la mort de sa nièce hier. Kenji Girac n'a pu retenir ses émotions et ses larmes lors de l'audition d'une jeune candidate de 12 ans, dans The Voice Kids. Kenji Girac a été bouleversé lors d'une audition dans The Voice Kids. Samedi, une jeune candidate, Thaïs, est venue de Genève, en Suisse, pour chanter devant l'artiste. La première chose qui l'a frappée est le timbre de la voix de cette jeune fille. Elle a repris une chanson d'Olivia Rodrigo, Traitor. Plus que Kenji Girac, Thaïs a également convaincu Julien Doré. Le premier a vite décidé de la prendre sous son aile pour cette nouvelle saison de The Voice Kids. Il a expliqué avoir été littéralement happé par sa voix, qu'il décrit comme « relaxante et apaisante ». Je suis partie avec toi, tu m'as fait voyager. Je te veux du plus profond de mon âme dans mon équipe pour pouvoir encore te faire chanter et surtout pouvoir t'écouter. Mais Kenji Girac a aussi connu une montée d'émotions très forte pendant l'audition. Après qu'elle ait fini de chanter, celui-ci s'est mis à genoux en levant les bras, en signe de victoire. Il l'a ensuite longuement étreint, avant de se confier, très ému, au public. Car la jeune chanteuse lui a rappelé sa nièce. Je vais vous dire quelque chose les amis. Ma première petite nièce s'appelait Thaïs. J'aurais aimé la voir grandir et pouvoir la voir chanter comme ça sur un plateau. Il ne dit rien de plus sur son histoire familiale. On peut imaginer une histoire tragique concernant sa nièce qui, semble-t-il, n'est plus de ce monde. Kenji Girac est très discret sur sa vie privée et familiale. Kenji Girac a conclu cette audition en avouant que « ça pince le cœur ». Le fait qu'il n'ait pas donné plus de détails sur sa nièce est certainement lié au fait que le chanteur n'est généralement pas très prolixe sur sa vie privée. D'ailleurs, s'il a révélé avoir eu un enfant, il n'a jamais révélé l'identité de la mère. En général, le public en sait peu sur sa vie en dehors des émissions de télévision et de sa carrière de chanteur. Il avait déjà expliqué les raisons de sa discrétion. Pour lui, le public n'a qu'une image de nous, celle sous les projecteurs, une facette idéalisée de nous-mêmes. Mélanger vie publique et vie privée peut vite devenir compliqué.